Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un tour de magie facile à réaliser et assez impressionnant. C'est un tour de magie donc, que vous pouvez faire devant les enfants, mais que vous allez pouvoir leur apprendre aussi. Je vais vous montrer après comment faire ce tour de magie. Donc pour ça, voilà, j'ai besoin d'un petit sopalin, tout simplement. Et je vous montre le tour. Donc j'ai mon petit sopalin. Alors, je vais le rendre indestructible. Pour ça, il va falloir que je souffle dessus. Mon sopalin est indestructible. Bon, pas tout à fait. Je recommence. Je souffle dessus. Mon sopalin est indestructible. Non, alors, bon, c'est pas grave. Ça marche pas comme ça. C'est pas grave. Je vais le mettre en petits morceaux, du coup. Voilà. Donc, je vais le déchirer. Je vais le déchirer. Je fais des petits morceaux. Voilà, comme ça. Attendez que je perds pas de petits bouts. Je ramasse mes petits bouts, ils sont tombés. Sinon, ça va être compliqué. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai fait des petits bouts. Alors maintenant, je mets dans ma main. Je vais faire une boule. Et ça fait partie. Hop, c'est parti du tour. Sinon, je ne vais pas y arriver. Hein. Ah là là. Bon, ça y est. J'ai ma boule. Maintenant, il faut que je souffle, évidemment. Sinon, je ne vais pas y arriver. Je souffle. Je prends. Et je vous montre alors que ce petit papier, comme je vous l'avais dit, est vraiment un des trucs cibles. Et voilà! Réparer. Trop facile. Donc voilà, ce petit tour, il est marrant. Il est facile à faire. Et il faut qu'au final, je vais le chercher. Au final, deux sopalins, évidemment. Je pense que vous aurez vite compris l'astuce. Mais je vous explique quand même. Alors, pour la petite astuce. Donc on a notre premier sopalin qui va bien. Et le deuxième qu'on aura mis en boule. Donc qui est entier, hein, qu'on aura mis en boule. On va cacher là derrière. Donc quand je monte mon sopalin comme ça, derrière ça donne ça. J'ai ma petite boule qui est cachée. Donc ensuite, on fait le petit tour en disant il est indestructible, je souffle dessus. Ah, mais évidemment, il se déchire. Et alors, à ce moment-là, vous allez le déchirer, le déchirer, le déchirer. Et quand vous allez mettre dans la main l'autre petite boule qui est là, voilà, hop, vous la placez au-dessus. Et voilà. Et là, vous avez le sopalin qui n'est pas détruit. Donc vous refermez la main comme ça. Là, c'est caché. Moi, j'étais en vidéo, donc c'est facile, hein, je pouvais juste le jeter. Mais le mieux, voilà, ça va être de faire comme ça. Hop. Et alors, si on a peur que ça se voit comme ça, sinon on peut dire qu'on prend de la poudre magique et hop, on va chercher dans sa poche. Et voilà. Et du coup, on n'a plus le sopalin dans la main. Vous voyez, c'est quand même très simple. Les enfants adorent ce tour de magie et surtout ils adorent le reproduire. Alors il faut un petit peu d'entraînement. Moi je suis pas du tout quelqu'un de très doué en magie, mais c'est juste voilà des petits tours faciles que j'ai trouvés et que j'ai réussi à transmettre aux enfants. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime, ça fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, c'est pareil. Salut, merci!